N'est-ce pas, tu as dit que Eto, c'est ton oncle, non? Appelle Eto, il t'amène au restaurant, tu manges, je sais quoi. C'est hein? Une question d'Eto et restaurant. Donc tu as fini toute une mamie de riz avec la sous-achille pour me parler que Eto, Eto, c'est comment? Ouais, pardon, sors de ma chambre, tu fermes la porte, c'est quoi? Laisse-moi dormir. C'est ce qu'il était en train de rêver. Hein? Tu sais qu'on me donnait l'argent dans le sommeil, c'est même qui ça? C'est l'histoire de trois colocs, N'gono, Shuna et moi. Shuna, Shuna, c'est ça qui a la piscine, tu aimes des mecs, c'est toi aussi. Oui, défaite, Yann, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte. Comment tu dis que les bâtards sont des grosses bordelles? Je n'ai jamais voulu croire ça. Moi je l'ai, tu peux faire même laisser que le tour de 250. Ok, laisse. Je dis que avant d'arriver chez moi, on m'appelle d'abord. Tu es trop belle, comme tu es trop belle. Que j'ai préparé le matin avant de sortir. Bon, non, pardon. Où est passée la nourriture que j'ai préparée depuis le matin? Bon, non, c'est comment? Réveille-toi, non? C'est quoi? Bon, non, avant de sortir, comme je savais que c'est mon tour de faire la cuisine, j'ai fait le riz avec la sauce d'archide parce que je savais que je voulais manger ça. Et je suis sortie depuis le matin, je n'ai pas mangé parce que je savais qu'il y avait mon riz à la maison. Tu as mis la nourriture où? Vous me réveillez quand? Ah! C'est pour le riz avec la sauce d'archide et bifaka que tu me réveilles à 23h. Qui? Moi, je sais comment. Non, je sais que tu me déranges souvent. Non. Je ne suis pas en train de blaguer, pardon. Dis-moi là où tu as mis ma nourriture, moi je vais manger. Et en plus, tu es seule dans la maison. Shuna n'est pas là. Tu veux me dire que c'est toi qui as mangé tout le riz là? Toi-même, tu n'as pas honte. Si le voisin passe ici à fond, croise, hein? Il te trouve en train de discuter le riz avec la soude d'arachide. Tu n'auras pas honte. Gono, ne parle pas comme cela. Gono, je suis sortie le matin. Je n'ai même pas mangé. Toute la journée, je savais que j'avais préparé mon bon riz avec ma sauce d'arachide et le bifaga dedans. C'est ça que je voulais manger aujourd'hui. Et toi, tu finis de tout manger. Gono, si ce n'était pas bon, tu n'allais même pas toucher. N'est-ce pas, tu as dit que Eto, c'est ton oncle, non? Appelle Eto, il t'amène au restaurant, tu manges, je sais quoi. C'est hein? Une question d'Eto et restaurant. Donc tu as fini toute une mamie de riz avec la sous-achille pour me parler que Eto, Eto, c'est comment? Ouais, pardon, sors de ma chambre, tu fermes la porte, c'est quoi? Laisse-moi dormir. C'est ce qu'il était en train de rêver. Hein? Tu sais qu'on me donnait l'argent dans le sommeil, c'est même qui ça? Et qui est? Bon, sors, tu fermes ma porte, sors. Si ça t'énerve, non, on va brûler le lac, tu vas me manquer la sangre. Oui, Ngono, je sais que tu me déranges souvent, non. Dis-moi là où tu as mis ma nourriture. Ngono, je peux pas. Ferme aussi la porte, tu vois. Ferme la porte, tu parles, non. C'est comment c'est obligé. Ok. Ngono, pardon. Ngono, Ngono, pardon. Laisse-moi. Ngono. Ok, c'est comme ça, non. Ngono, je te jure que je vais te rentrer la monnaie de ta pièce. Ce que tu m'as fait là, je te jure que je vais te rendre ça un jour. Tu ne me connais pas. Bon. Fallait d'abord que je te menace comme ça là. Oui, je savais que tu ne pouvais même pas me faire ça. Va dans la cuisine, non.
tu ouvres le frigo. Pas en bas, en haut là, au niveau du freezer. Tu me prends ma bouteille d'eau glacée là-bas, tu viens me donner. Il y a l'arrêt qui est collé dans ma gorge, je veux pousser avec ça. N'importe quoi. Ça ne te tue pas une fois. Terminé sous LB. Mingle aimait Swellbe aussi. Moi qui t'en aimais le bien pour parler. Même s'il y a des jours, on n'a pas envie de se voir. Je veux pas des jours.